il s'agit de l'épisode numéro 3. Le chapitre 7. Alors que moi, c'est marqué 1. c'est quel jeu déjà ? We were here. Together forever. Non, juste together en fait. Ouais, ouais. Mais... Forever, ça sera moi, le prochain. Moi, je t'aime bien. Voilà, tout bizarre. Voilà. Tu as ta connexion qui fait. Toujours. Qui fait. Ah bon, alors que tout à l'heure, ça marchait bien. Alors que sur Discord, ça marchait bien, ouais. Faut pas se poser de questions. Allez, on va commencer et puis on verra bien. C'est mon Taki Walkie qui marche pas bien. Ça doit être ça, ouais. Faut que tu kicks sur prêt ou un truc comme ça. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, Mu et moi ne pouvons communiquer que via un talkie-walkie dans le jeu. Et nous sommes à des endroits différents, on a en général des informations que l'autre n'a pas, et c'est comme ça qu'on peut résoudre des énigmes et pouvoir avancer à la pièce suivante. C'était ça. Voilà. Et donc il y a des fois où... Chargement du coin, ça. Il y a des fois où vous sur le stream vous allez m'entendre, ou sur la rediff évidemment, et d'autres fois, et sans que Mu m'entende, et si je veux qu'il m'entende, il faut que je sorte le walkie-talkie. En attente de votre partenaire. Et tu changement du point de sauvegarde en cours. Ah, ok. Alors, oui, il y avait ces histoires de tuyaux à la con et de couleurs de flammes. Non, ça va être la merde. Ça va être la merde. Tiens. Allô, tu es là ? Allô. Ok, à l'huile. À l'huile. C'est bizarre, je ne suis pas à un endroit où j'étais la dernière fois. Ah oui, pareil, c'est vrai. Je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Quand on a arrêté la dernière fois, on était où ? Eh ben, on était à un endroit où il y avait des tuyaux, il fallait remettre des bouts de tuyaux, il y avait des flammes et du gaz. Et puis moi, j'avais des trucs d'alchimie à moitié de mon côté. Est-ce qu'on n'aurait pas changé de position ? Moi, je serais à ta place et toi à ma place ? Non. C'est exactement ça, je pense. Oh, fuck. Ok, parce que là, j'ai deux portes à ouvrir. Ah, non, bah ça ne dit rien. Et au milieu, je suis dans une grande pièce, il y a une espèce de planétarium au centre. Ah, ouais, si, ça doit être ça, au début. Oh. Yes. All I need now is, huh? Ah, you did it. Listen, the purpose of this tower was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done, come find me in the High Alchemist's quarters. Good luck. Putain, les boules, on est inversé. Ok, je viens d'avoir une cinématique là avec une épée cassée. Ah ouais, c'est la cinématique que j'ai eue la dernière fois, hein, et moi j'ai eu la tienne. Exact. Ouah, pourquoi ils ont fait ça ? Fait quoi ? Ah, pourquoi ils nous ont intervertis ? C'est pas aléatoire ? C'est bizarre, ouais. Ben, je sais pas, mais ça me déroute. Ok, alors, je vais te... tu veux que je te dise ce qui se passe de ton côté ? Ouais, si tu t'en rappelles, c'est cool.
Alors, t'as des tuyaux, bah ici aussi en fait, de mon côté je vois les tuyaux quoi. T'as des tuyaux et ces deux trucs, c'est, enfin, quand tu les bouches, ça fait augmenter la pression et a priori il va falloir faire en sorte que les flammes, le gaz ne s'échappe plus en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est de chaque côté. Après, tu as deux autres. Je pense que je m'étais dit que c'était lié au truc qui est en haut de ton côté, une espèce de pupitre avec des trucs à faire dessus et des engrenages. Mais après, je sais plus si je m'étais dit que oui ou non en fait. Je sais plus. Je me rappelle plus. Et bref, il faut que tu as des morceaux de tuyaux avant d'aller dans le soupirail, et puis on peut déjà commencer par ça. Essayer de foutre la pression au max, ou je sais pas, faire des trucs là-dessus quoi. Ouais, par contre, je vois pas le soupirail dont tu parles. T'as une pièce, quand tu descends des escaliers, t'as une pièce avec des machines dedans, et il y a un côté où il y a un trou dans le mur, je crois. Ouais. Eh ben, tu peux passer là. En te... Ouais. Je me rappelle plus comment on me... Ah oui, c'est bon. J'ai pris des tuyaux avec moi. Voilà, tu vas avoir besoin de quasi... Je sais même pas si t'as besoin de tous les tuyaux en fait, mais ouais, tu peux boucher les trucs avec. Ok, je suis dans la salle avec les numéros au sol qui correspondent aux numéros que toi tu vois là-haut. Ouais, c'est ça, pareil, je suis là aussi. Ouais, je vais activer les manettes, je sais pas ce que ça fait. Ah, donc là je balance du gaz jaune. Il y a du gaz dans les tuyaux. Jaune et bleu, il faut pas faire du gaz vert. Bah, c'est dans le... Attends, je vais aller voir tout ça. On a du vert maintenant. Ouais. Mais si je fais ça... Ah non, ça reste vert. Ok, j'ai mis deux tuyaux. Il y a l'emplacement pour 3, je vais aller voir s'il n'y a pas besoin de... Voilà. Après, je vois, la dernière fois, je me rappelle, on a discuté, tu disais que tu n'avais rien d'autre, et effectivement, il n'y a pas grand-chose de ton côté. Hein. Ouais, j'ai l'impression que tu avais plus d'options, mais c'est peut-être qu'en apparence. Hein. Par contre, toi, de ton côté, maintenant, du coup, tu as plein de possibilités de mettre les tuyaux. Hein. Ah oui, un peu trop même. Moi j'ai des clapets okay, qui aussi qui se forment, qui se ferment, je veux dire. Ouais. Et j'ai un réservoir vide, donc c'est avec ça qu'il faut prendre, j'imagine, les couleurs et en faire quelque chose. En fait, tu peux ramasser des shops et ou alors les shops, tu les chopes directement quand tu ouvres les tonneaux en haut, en fait. Tu vas choper un liquide jaune et après, il y aurait le liquide jaune, tu peux le mettre dans l'espèce de marmite qui est en bas. Ok, et j'ai aussi un... Ah oui, ok, je vois. Il y a une espèce d'appareil aussi qui va te permettre d'allumer les trucs. Ouais,
je vois. En fait, il y a un appareil à côté où il y a des espèces de symboles d'échelle et des engrenages. C'est une espèce de pupitre ? Ouais, une espèce de pupitre qui monte le nord, et puis il y a plein d'engrenages et des... C'est un peu bizarre. Ouais, ben ça, je pensais que ça avait un lien avec la pression, justement, mais a priori, non. Enfin, je sais pas. Mais je pense que là, il faut qu'on se concentre à essayer de faire quelque chose avec ces tuyaux, en fait. Je pense que déjà, vu que moi, j'ai pas grand-chose de plus de mon côté, à part des tonneaux avec violet, orange et vert. Et je pense qu'il doit falloir augmenter la pression dans ces trois tonneaux-là, en fait. Ouais, un truc comme ça, ouais. Moi, j'ai mon liquide jaune. Je vais retourner en bas, donc là où il y a la pression. Il m'a dit liquide jaune, je pouvais le mettre où ? Tu peux le mettre dans l'espèce de grande marmite qui a, avant de rentrer dans le soupirail, sur la gauche. Mais j'avais pas capté... Enfin, il faut autre chose, en fait, je pense. Ah bah oui, je pense que c'est là où on doit créer des nouvelles couleurs. Hein. Ouais, ouais. Tu peux aussi la mettre dans une espèce de fournaise, j'ai l'impression. Attends, je vais essayer un truc, d'accord ? J'arrive. Vas-y, vas-y, moi je fais mumuse aussi. Je sais pas trop d'ailleurs. Ok, tous les liquides, quel que soit le tonneau, tous les liquides sont jaunes, d'accord. Ouais, et je pense qu'il va falloir... Enfin, ça, à mon avis, c'est la partie alchimie qui va arriver après, en fait. Enfin, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux le boire, le truc, au début, quand tu t'en sers. Ouais, j'avais vu ça aussi, ouais. Je vois pas ce que j'ai d'autre à faire, là. J'ai bouché les trucs. Ça monte là. Ah non, ça redescend. Ça monte puis ça descend. Ok. Il manque un tuyau, tu te rappelles du tuyau que t'avais trouvé toi ? De combien de tuyaux t'avais trouvé ? Il me semblait que j'en avais trouvé assez pour tout boucher, je crois. Ah ouais, putain, ok. Est-ce qu'il te manque pas un tuyau pour tout à gauche ? Parce que c'est la manette qui va faire l'extension. Les trois tuyaux sont en haut ou il y en a un qui est en bas, tu te rappelles ? Non, non, ils sont au même endroit. Mais t'as bien appuyé sur la manette rouge à gauche ? À côté des tonneaux ? Ouais. Non, pas à côté des tonneaux. Au bout de la salle des tuyaux, il y a une manette rouge. Oui, c'est la première chose que j'ai fait. C'est pour ça que t'as le gaz qui est... Ok, je viens de trouver les autres tuyaux. Donc c'est bon, je vais les prendre dans mon inventaire. Ok, moi je viens de capter un truc ici en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrive à remplir les trois tonneaux de trois couleurs ici de mon côté. Donc il faut qu'on envoie le maximum de pression et la bonne couleur. Genre d'abord violet, puis orange, puis vert. Ouais, je vois. Ok, donc je place les tuyaux comme bon me semble. En essayant d'éviter les fuites. Alors attends. Ouais, donc là j'avais du violet qui arrivait et là maintenant j'ai plus que du bleu parce que je pense que le rouge n'y va plus. Je te remets du violet alors.
Yes. Et maintenant que c'est... Maintenant que j'ai du violet, il faudrait faire en sorte que la pression monte. Je sais pas trop comment faire de mon côté. Il faut que je... Il faut que j'évite les brèches. Ah yes, ok. Là c'est bon, ça a monté, non? Ouais grave, il manque deux cases. Enfin, deux crans quoi. Et bah je peux... Au niveau pression, je peux pas faire grand chose de plus, hein. Ok, alors peut-être que moi je peux faire quelque chose de mon côté, attends, je regarde. Parce que j'ai plus de fuite, moi. Ah, tu l'avais enlevé, tu l'as remis. Ouais, mais en fait, tu sais, ça, quand je le pivote, ça va monter d'un coup, puis après ça va redescendre, c'est bizarre. Hein. Ah oui. Je sais pas trop comment faire, j'y vais par assez erreur quoi. Ouais, je vais aller dans l'autre salle pour voir, parce qu'il me reste un tuyau dans les mains. Je vais voir dans l'autre salle pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui a changé. Classique ninja, quoi, je vais me coucher et je vais être raisonnable cette fois. Bon courage, bon. Non, a priori, rien n'a changé. Ça marche mal, Nico, des bisous. Merci d'être passé en tout cas. Ça me fait bizarre qu'il reste un tuyau dans... qu'il me reste un tuyau dans les mains. Ah, je croyais qu'il t'en manquait un et. Ah, il te manquait un trou, c'est ça. C'est ça. J'ai réussi à tout colmater et il me reste un tuyau droit. C'est pour ça que je suis un peu déroulé. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, j'ai réussi à tout colmater. Je comprends pas trop parce que je suis pas à fond. Et par contre, j'entends toujours un... Ah, c'est en dessous. Ouais, en dessous, il y a. Mais en dessous, moi, je peux rien mettre, en fait. Ouais, pareil. Ou alors faire comme ça. Ou alors, il faut se débrouiller pour qu'il y ait pas de gaz qui passe par en dessous. Ah, ok, je crois que j'ai compris. Attends. Deux secondes. Voilà, moi j'ai plus de pfft. Ok, voilà, attends, je vais changer de tuyau. C'est ça ce que j'ai fait en fait, parce que j'avais mis un T et du coup ça s'évacuait à un endroit où il n'y avait pas besoin. Ok, je vois, je vois, je vois. Ah, c'est bon, j'ai capté, attends. Ah, maintenant ça s'évacue, ça s'échappe chez moi. Ah! Attends, j'ai pas fini, hein. Je suis en train d'essayer de replacer les trucs comme on a dit. Je vais essayer de colmater tout et on va voir si ça va. Il y a moyen que toi tu rectifies et que ça soit bon. Ah, tu me dis. C'est là où il faut le T. Ah, il faut une croix là. Il y en a peut-être un autre. Ouais, non, j'ai une fuite. Bah, tu vois, moi j'ai pas assez de tuyaux. Moi j'aimerais bien avoir une croix en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et enfin, j'ai un coudé, mais il me sert pas. Ah, c'est chelou. Je me demande si on peut pas passer
Eh, j'ai un... Dans un de mes couloirs, j'ai une vitre qui est cassée. C'était dans ma cinématique, en fait. Et il y avait un gars qui te ressemblait, qui était de l'autre côté. Je pense que tu avais vu la cinématique. Et j'ai l'impression que le trou, il est fait pour se... potentiellement se passer des bouts de tuyaux, non? Ah, ça serait génial, mais... Ça m'étonnerait. Moi, j'ai un coudé. Celui qui me reste sur les mains, là, c'est un coudé. Ouais, pareil. Tu me dis quand t'es bon? Bah non, du coup, maintenant, j'ai une fuite, en fait. Peut-être que moi, en changeant des trucs de mon côté, je t'enlèverai la fuite. C'est ça, je pense. Je vais te dire. Alors attends. Ok, le dernier là, que... donc moi en fait ils sont... Les deux premiers que j'ai placés, je pense que c'est bon. Et maintenant le dernier, alors voilà, dès que t'es satisfait tu me dis. Dès que quoi, pardon? Dès que t'es satisfait, tu me dis. Ok, je vais changer les trucs alors, parce que là, je suis pas content du tout. Ça sort là, en fait. Il y a un truc que je capte pas, en fait. Le truc est censé balancer le gaz jaune, en fait. Il suinte du violet. Coucou Avia, over. Vas-y, répète. Est-ce que tu peux fermer la 7? Je me rappelle plus si tu peux en fermer. Non, je peux rien. Enfin, je peux. Si, je peux faire en sorte que ça n'arrive pas dessus. Bah tiens, tu l'as fait. Ouais, j'essaie de voir un truc. Je vais le remettre comme c'était. Mais sinon non, d'ailleurs je comprends même pas comment c'est possible que le violet arrive, continue à arriver en fait. Je teste un truc, mais... En fait, j'ai le gaz qui sort par une entrée, en fait, et ça me saoule, je sais pas, je comprends pas. Ah si, je crois que je comprends, en fait, si j'ai rien dit. J'ai un tuyau qui passe, j'ai des tuyaux qui vont dans le sol, et je sais pas où ils vont. Il y a un truc qui est pas trop logique, j'ai l'impression. Mais bon, c'est que je comprends pas tout. Ouais, il y a un truc qui me... Attends, c'est le... Toi, tu peux couper certaines choses? Non, a priori, non. Moi, je peux faire tourner des tuyaux dans les cylindres, là, mais comme toi. Ok. On recommence tout, on essaie un nouveau setup? Si tu veux, ouais. Ok, j'enlève tous mes tuyaux, j'essaie d'y réfléchir.
Ok, j'ai tout enlevé. Pareil. Et bizarrement, la pression est toujours quasiment pas au max, mais genre... Ah, ça redescend là. On va essayer de faire venir du orange cette fois. Ok, du orange, on va essayer. Comment ça va, Avia? J'ai eu des news orange, de Kojima en fait. Par ici. Attends, j'ai plus d'options dans dans ma palette de choix là. Ok. Attends. Je te fais peut-être chier à mettre des trucs aussi de mon côté, non? Non. Alors là, a priori, j'ai pas de fuite. Ah si, maintenant j'en ai une là-haut. Ouais, c'est ma faute, attends. Voilà, a priori moi j'ai pas de fuite, mais bon, tu dois pas arriver à ce que tu... Ok, je vais mettre des trucs alors. Voilà, on fait comme ça. Ah, attends, j'ai une fuite. Ok, bah attends, je vais essayer. Ah mais non, ça va pas le faire. Je suis persuadé que la croix, elle doit y être au début. Attends. Fuck! Ok. Je. C'est ça. Je sais pas s'il y a bug alors Kojima, ça va, c'est perso les infos. Enfin, il a l'air d'aller. Vas-y, modifie un petit peu parce que là, tu vois, j'ai plus de fuite, mais le dernier des pignons là, il. Ah voilà. Non, c'est juste par rapport à son compte. Là, j'ai plus de fuite. Ok, attends, j'essaye. Plus du tout. Ah, j'ai re une fuite. Ok, là, j'ai plus de fuite. Ouais, c'est 4, 5, 6, 7 en fait que y a un truc qui va pas. Oh, 4, 5, 6. Ouais, bah c'est là où je fais des trucs moi en fait. Ouais, et en fait, c'est là où j'ai l'impression que. C'est là où je me dis au final, bah non, du coup j'ai pas bien mis mes tuyaux parce que pour tous les autres ça colle et ça. Et il y a lui, j'ai un tuyau droit, un tuyau coudé et j'ai l'impression que ça fait pas vraiment bien le job. Ouais ben moi j'ai la seule fuite que j'ai elle est sur une des entrées donc c'est là où je comprends pas en fait. Ah oui c'est à moitié pire en plus ouais. Bon, voilà là j'ai bouché la deuxième entrée qui fait rentrer du bleu et du coup y a plus rien qui tourne. Mais au moins y a plus de fuite. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Hein. Donc, il a l'air d'aller correctement, mais il a pour son compte Twitch et il a supprimé, comme tu disais, via aussi Discord, Twitter. Enfin, il a dit qu'il voulait arrêter les réseaux sociaux parce qu'il voulait passer à autre chose, quoi. Voilà. Donc, je lui ai demandé, ah bon, on ne verra plus sur le canap alors. Et il n'a pas répondu encore. Donc, de toute façon, tant que c'est ce qu'il faut pour lui et il sait ce qu'il lui faut, et ben, tant mieux. Moi, je peux pas. Voilà. C'est dommage si on le voit plus, mais bon, c'est comme ça.
Et Pomme, pas de nouvelles, elle me répond pas, elle m'a retiré sur Steam, je sais pas. Après, je vois pas trop comment je peux faire moi pour avoir de la couleur, différentes couleurs. Ah mais ça c'est moi en fait, parce que j'ai deux manettes, une jaune et une bleue. Et donc toi tu lui envoies le rouge, si j'active que la bleue par exemple, et que toi t'envoies du rouge, ça va faire du violet. Ok, ça je vois. Mais moi ce que je comprends pas trop, c'est comment je fais moi pour utiliser la couleur, comment je fais pour la récupérer, à moins que toi tu puisses m'envoyer de la couleur sur le petit chariot là. Non mais en fait je crois que c'est à moi de la récupérer la couleur, parce que moi j'ai des tonneaux qui sont censés se remplir de ces couleurs là. Ouais putain la vache. Voilà, et en fait mon idée c'est qu'il faut qu'on mette la bonne couleur et qu'il y ait la pression maximum, donc tous les deux s'enfuitent pour pouvoir remplir le tonneau de la couleur violette, puis ensuite on fera l'orange et ensuite on fera le vert, c'est ce que je comprends. Ouais c'est ça. Je pense aussi. Sauf que je capte pas les tuyaux, mais à y réfléchir. Je pense qu'il faut que effectivement toi tu bouges tout de ton côté, et puis après moi j'essaye de faire des trucs, et puis si ça marche pas et que ça débouge des trucs, toi tu rebouches, etc. Jusqu'à ce que ça passe. Ouais, ouais. Pour l'instant, moi, tout est bouché, à part le tout dernier qui est bouché, mais que, à mon avis, ça va pas suffire. Il va falloir. Je sais pas trop, trop serein, quoi. Bon. Ok, bon, je vais tester un truc. Vas-y. Putain, ça sort en haut, ou alors ça sort en bas. Mais c'est débile. En fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que je vais retenter avec le vieux, on va retenter le violet plutôt que le jaune. Dac. Dans ma tête, c'est plus facile là. Je sais pas pourquoi, mais. Tac, tac, tac. Alors celui-là, il va là. Donc il faut pas, qu'il amène ça là. Il faut qu'on amène ça. Comme ça. Ça fait passer le rouge. Mais pourquoi est-ce que là, il y a un rouge là ? J'ai une idée. Est-ce que tu as moyen. Ouais, nickel. Comment ça arrive là ? Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux couper le gaz qui arrive au 1 ? Là, je viens de réparer la fuite. Et tout est orange. J'ai tout bon là. Ok. Est-ce que t'as moyen de couper ce qui arrive au 1 ? Bah ça va couper tout. Je peux essayer, ouais. Ah, si ça coupe tout, peut-être pas. On va voir, essaye, ouais. Ouais, d'accord. Là, ça t'a tout coupé, j'imagine. Ah, ça m'a tout coupé, ouais. Bah remets. Ok, alors attends, je vais essayer un truc. Ah, je vois comment couper le 1. Mais il faut que je chamboule tout. Faut que je change les tuyaux de place. Ouais, vas-y, on va essayer. Ça va être un peu chiant, mais bon. Je sais même pas si ça va être bon, c'est juste que là le gaz qui arrivait au 1, il me provoquait une fuite et j'ai aucun moyen de la boucher en fait. Peut-être qu'en fait. Ah non, attends. Je pense qu'en fait. Non, j'ai rien dit. Vas-y, continue, on verra après. Ouais, donc ça. Ok, donc ça, je suis obligé de l'avoir comme ça parce que c'est ça qui va me faire.
celui-là, je suis obligé de l'avoir là. Non, ça, ça va pas le faire, ça. Je vais avoir du mal à couper, là. Ok, non mais remets. Comment t'étais? Ok, non, ok. Je comprends pas. C'est RGB, veux-tu essayer l'effet Disco 70? Lol. Ouais, j'ai du mal aussi là. Alors, on a celui-là qui amène le bleu. Je teste des trucs, hein. Vas-y. En fait, si je prends ça comme ça, ça peut le faire aussi. Puisque ça arrive là. Et du coup. Ah, alors attends, c'est peut-être pas mal. Yes, c'est rempli. Yes, c'est cool. J'ai compris un truc de mon côté, en fait, j'avais pas vu qu'il y avait un tuyau qui passait derrière, je pensais qu'il était relié à autre chose. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire, je m'en rappelle maintenant. Donc là, alors j'espère qu'en défaisant, ça va rester rempli, mais moi j'ai le tonneau violet rempli, donc maintenant, il faut remplir du orange. Ou alors, non, on peut faire... L'autre c'est violet. Non, c'est bleu, vert et orange. On va faire orange alors. Donc je vais changer de manette. Ok, moi je vais aller remplir des shops. S'il passe derrière, non, il faut qu'il soit comme ça. Ouais, il va falloir la mélanger. Je ah, quand là. Tu bois, ça inverse les directions. Comme ça. Ok. Ah non, ça peut pas faire ça comme ça. Chier. Hein? Merci, Avia. Ça, attendez, ça arrive là. Tac, 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 ça part là. Tac, tac, tac. Et là. Ah, c'est parce que ça repart là. Il me faut un droit là, en fait. Non? C'est les deux sont croisés là. Ils sont croisés là, donc je suis obligé de faire ça. Il faudrait que ça. Pourquoi ça sort là cette connerie? Rouge. Ah, c'est parce qu'il y a du rouge qui arrive là. Ah ouais, lui son rouge il arrive là. Forcément aux deux. Le coudé, je peux mettre le coudé là, ouais. Mais en fait, il n'y a pas de pression. Il y a un problème de pression parce que ça sort ici en fait. Coucou El Palis, oh mon dieu, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment ça va depuis le temps? Niveau de l'enfer, ah, attention, chut, hein. Rien dire. En fait là, Avia, le problème c'est que ça sort ici, donc il y a un problème de pression. Et si je le mets là, ça sort en dessous. Donc ça change rien. Je peux le monter comme ça, ça va sortir au-dessus. Donc, ça change rien, t'inquiète, je l'explique pas, je peux le pas. C'est gentil, merci. T'as fait quoi là? Là, j'ai rien fait du tout. Ça s'est arrêté d'un coup. C'était bizarre, ok. J'ai mis deux chopes dans la machine, là, dans le chaudron. Bon, ça a rien fait. Ah, c'est quand je le retire. Ah, ok, c'est quand je retire le tuyau. En fait, pendant un moment, ça s'arrête et je croyais que c'était bon, mais non. Duck. En fait, elle. Là j'ai le rouge en fait il arrive par le 2.
Est-ce que toi, tu as moyen d'identifier dans quel tuyau tu envoies le gaz rouge? C'est marrant parce que tu vois, moi j'envoie pas de gaz rouge. Tiens, j'ai une fuite là maintenant. Ouais, c'est normal. Ok. Donc dans le 2, c'est du jaune qui part. Ok. Ah oui, c'est du jaune que t'envoies toi. Ok, mais non, change rien, c'est juste que j'essaie de boucher un truc, j'y arrive pas. Coucou Kashka. T'as détesté ce niveau ? Hey, salut Kashka. Pour l'instant, on essaie de comprendre un petit peu tout. On a compris qu'il fallait remplir les tonneaux, donc il faut que la pression elle, soit au max pour remplir chaque couleur. Et là, j'essaie avec l'orange, mais ça m'intrigue, là. Ça m'intrigue, parce qu'il faudrait pas que ça... Faudrait... Non, donc toi, en fait, tu peux pas ne pas en envoyer vers le par le 2, en fait. Si, je peux. Est-ce que t'as un moyen de faire ça? Ça y arriverait que yes, par... Yes, attends. Du coup, j'ai une fuite par là. Ah mais du coup il y a le jaune qui sort quand même. J'ai une fuite par là. Ok bah attends, bah du coup il va falloir changer les tuyaux de là du coup je pense. Attends. Est-ce que c'est pas mieux là? Ah non, tu veux que je remette? Attends. Bouge pas. Il est où le long? Il est sur moi en fait. Tac. Ok. Est-ce que t'as des fuites de ton côté? T'étais sur les events, ça marche. Eh ben, c'est ça, on comprend le but, mais on comprend pas trop comment on fait. Si, je pense que. Ouais. Je vais peut-être bouger le truc, attends. Tu m'as pas entendu? Non, je t'ai pas entendu. Ok, moi je suis bon de mon côté. Attends, j'étais bon. Voilà, là je suis bon de mon côté. Il faudrait que toi, si tu peux essayer de boucher tes fuites. Parce qu'il me manque juste un cran de pression en fait. Bonne nuit Alice. Ah normalement c'est pas bon. Yes. JJ. Bon maintenant coupe tout. Maintenant c'est que à moi, il me faut du jaune et du bleu pour faire du vert. Donc coupe tout, c'est-à-dire j'arrête du coup de t'envoyer dès que la couleur. J'imagine, ouais c'est comme ça ouais. Voilà, j'ai coupé de mon côté. Ok, alors je te dis comment ce que ça donne. Deux secondes. Alors là, ça envoie du bleu, là, ça envoie du jaune. Donc il me faut le long. Là, non, il faudrait que j'envoie en bas. Donc, comme ça. Non, comme ça. Voilà. Et là. Fuck. Et là, fuck. Comme ça. Donc là, ça envoie du vert, mais c'est pas. C'est... Merde. Ah mais j'ai pas besoin du... Je peux envoyer quelque chose comme ça. Bien. Voilà.
Merde, c'est en mode vert. Ah non, si, c'est bon, je suis con. Très bien. Comme ça. Yeah. Ok, j'ai. Cool, bah tu vois, j'ai rectifié des trucs sans te le dire parce que je voyais des fuites. J'ai gardé la, couleur verte et du coup ça l'a fait. Ah ben, GG nous. Mais maintenant on fait quoi? Du coup t'as plusieurs couleurs. Alors maintenant moi j'ai trois tonneaux remplis de violet, orange et vert. Je regarde si je peux faire des trucs avec. Ok, je vais chercher de l'eau, j'arrive tout de suite. Merci Avia. Aller prendre. Tu m'as entendu? Ouais, ouais, va chercher de l'eau, dégage. Allez. J'ai une porte ouverte. Oh putain. Merde. Ok, je m'attendais pas à ça. Ah! Ok, maintenant on va jouer les barman. Ok. Oh, MMG. Ok. Donc ça va bien, Kashka? Je rappelle qu'il n'y aura pas de stream demain, samedi. Mais dimanche, il y aura. Malheureusement, pas demain. Oh. Pardon. Tu me dis quand t'es heureux. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Oh, je le sens pas ça. Et puis en plus, on va devoir s'arrêter à 3h parce que moi j'ai un. Merde. Heureux. Heureux, alors en fait, il y a une salle qui s'est ouverte pour moi. Ah, bah peut-être que moi aussi, du coup. Et au secours. Hein. Ouais, bah en fait, moi quand je regarde le livre avec les images là, des couleurs, tout ça, ça me fait un peu peur. Ah, ouais. Et moi j'ai fait le con. Ah. Ah, il y a un truc à timing encore. Mais là c'est moi qui vais mourir. Ah. Alors attends, je vais te dire rapidement de toute façon, il passait, mais bon. Je suis rentré dans la salle, il y a les trois tonneaux en fait que j'avais remplis. Mais maintenant en fait je peux probablement servir des pichets de ces couleurs là pour toi. Dans la grande salle, il y a aussi une espèce de plante carnivore. Il y a des indications sur une table avec des papelards. Et puis il y a aussi un grand puits avec des symboles genre planètes, tu te rappelles, les planètes, étoiles, soleil, tout ça. Dans ce grand puits. Et j'ai tourné un truc en bas du puits et ça fait monter l'eau maintenant. Et je ne peux pas sortir. Ah ouais, bof. Mais bon, a priori, je vais peut-être pas mourir parce que je flotte. Ok. Mais il y a quand même la musique inquiétante. Le timer arrive. Voilà. Ça, le taf reprend son cours de bonne manière. C'était dans la zénitude. Cool. Ah, et moi j'ai un engrenage pour faire tout fonctionner. Attends, je vais essayer de faire un truc. Vas-y. Effectivement, parce que moi sur le puits en fait, il y a les symboles autour. Ils tournent en fait. Enfin. Ils peuvent tourner, c'est pour ça que je peux plus monter en fait, parce que l'échelle elle a tourné. Ok, moi j'ai des symboles avec des échelles, alors attends deux secondes. Ah, je crois que c'est mort. Ah. Ah là, ouais, je crois que je flotte pas vraiment en fait.
faut que je saute là pour rester en dehors de la flotte. Il y a un truc sur l'échelle. Bah oui, oui, il y a grimpé, ouais. Il y a grimpé, mais là je peux pas grimper parce que les... Ah, putain. Les barreaux, ils sont plus consécutifs, là. Ah, bientôt je vais y passer parce que quand je saute, eh ben, j'ai plus d'air. Ok. Genre, il faut que je fasse... Je suis de la... Ah, tu le fais super bien. Ah, merci, c'est grâce à Avia. Ce voyage est terminé, plop plop. Ah oui, effectivement. Plop plop, c'est nul. Bon, je vais éviter de bidouiller le puits avant qu'on soit sûr de ce qui se passe. Moi j'étais sur le pipitre avec les engrenages là. Et j'ai compris comment bouger les engrenages. Ok, cool. Mais ça faisait rien pour moi hein, de mon côté. A priori. Non, parce que il faut que tout soit. Enfin, tous les engrenages soient bien mis les uns avec les autres pour que ça puisse actionner un truc. D'accord, donc peut-être qu'il faut que je te donne les symboles avant en fait. Je suis pas sûr. T'as un engrenage central qui tombe tout le temps, et lui il doit entraîner le reste et il faut faire. Ah voilà. Y a pas de symbole planète, tout ça sur les engrenages? Non, d'accord. Non, y a que des symboles échelle. D'accord, ça, on dirait que c'est un truc que tu peux résoudre par toi-même en fait, sans moi. Oui. Ok, je vois le truc. C'est pour ça, pendant qu'on parlait, j'étais dessus. Ah, et pendant que je crevais et tout, toi tu t'amusais. Ouais, ouais, ouais. Putain, bâtard. Mm-hmm. Merde, tu m'entends encore. Ah, je disais bâtard. Toi-même. Ouais, alors, juste avant, donc, les indications que j'ai sur la table, je peux te... c'est des trucs d'alchimie et toi, ça va t'intéresser puisque t'as les mêmes genres de trucs de ton côté. Tu vois, là, je pense qu'il faut qu'on s'inquiète des trucs d'alchimie vu qu'on a... Je peux maintenant prendre des seaux verts, violets et orange. Ok, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de le refaire. Non. Ah cool, ouf. Et donc il y a une grosse plante carnivore en face de moi. Il y a marqué ça a l'air dangereux. Et à l'intérieur on dirait qu'elle a un truc. Une gemme jaune brillante à l'intérieur d'elle. Ok. J'ai des... C'est une serre en fait. J'ai l'impression qu'on peut faire pousser des trucs dans différentes cases. Il y a des sprinklers en haut qui sont censés arroser les graines qu'on plante, j'imagine. Et ce truc-là est relié à la plante, justement. Non, pardon, j'ai rien dit. Il est relié à un tonneau. Je vais aller voir où ça va. Ah, le tonneau qui est relié au puits. D'accord. Chelou tout ça. Alors par contre il y a une différence avec tout à l'heure. Tout à l'heure moi le pignon central il tournait et il donnait de l'énergie à tout. Là tout, la machine est inerte. Donc comme si il fallait que tu fasses quelque chose. Ouais. Eh, je viens d'envoyer 3 sauts de couleurs par un petit train. Ah bah c'est le rail dont je te parlais tout à l'heure. Attends, je vais te dire. Ouh. Ah yes, ils y sont. Cool, donc je peux t'envoyer ce que tu veux quand tu veux. Putain. Oh, j'ai des graines aussi. J'ai des graines de fruits orange, fruits violets, de fruits étoiles, de fruits chelous, plein de trucs. Bah maintenant faut que je fasse mes mélanges.
Et alors, tu veux que je te lise ce que j'ai sur mes... Sur mes indications ici? Ouais, vas-y. Alors, j'ai fruits jaunes plus fruits orange égale fiole rouge. J'ai liquide orange plus fruits jaunes en forme de pénis égale liquide blanc. On serait pas douté. Jusque-là, tout est normal. Tout à fait. J'ai un fruit chelou. Vert et bleu foncé avec un autre fruit chelou, bleu clair avec des tentacules jaunes, et ça donne une fiole bleue. Tu décris super bien, hein, faut quand même que je te le dise. C'est gentil. Ouais, ce genre de jeu est trop cool, Cash, on est d'accord. J'ai fiole blanche plus fruit violet égale fiole verte. Ensuite, fiole rouge, bleu et verte, ça donne une fiole de poison qui doit être donc pour la grosse plante. Ah ouais, ok. Donc c'est le but. Il va falloir faire une fiole rouge, bleu clair et verte pour au final avoir du poison. Et donc pour ça, il faut planter les trucs. Donc je vais regarder de mon côté si je peux planter les trucs, parce que c'est moi qui plante les trucs apparemment. Est-ce que toi tu peux m'envoyer des graines? Je regarde. Je crois qu'il faut me renvoyer le train par contre. Ah oui, effectivement. Attends, j'arrive. Donc moi les ingrédients que tu m'as mis, je vais les mettre dans le premier chaudron là, où on peut en mettre deux, non? Ouais, essaye, je sais pas. Attends, je regarde si j'ai autre chose. Je crois que c'est... Ah ouais. Non, il faudrait que tu mettes du orange et une espèce de plante jaune que je pourrais t'envoyer potentiellement. Ok, bah je mets déjà du orange. Et j'attends la plante jaune. Ouais, sauf que je trouve pas les graines pour cette plante là. Alors il y a un autre souci, c'est que en fait, pour pouvoir faire pousser, il faut allumer les sprinklers qui balancent de l'eau. Et pour ça, eh ben... Vu que le tuyau il arrive jusqu'au puits, je pense qu'il faut que j'allume le puits et que du coup ça va déclencher le timer. Ah putain. Exactement. Et là j'ai pas du tout envie. Ah, je te comprends. Je retire tout parce que je sais plus ce que j'ai mis. Donc il nous faut... Ma description, elle était très bien. Arrête. Alors, il me faut... Allez. Je vais faire ça en fait. C'est plus simple. Tac. Donc, il me faut... Alors... Alors moi, ce que je vais faire, c'est que de mon côté, je vais me préparer à planter les trucs qu'il faut faire pousser, et puis après, on va réfléchir au puits. Ça. Ouais, vaut mieux. Et ça. Donc. Tac. Tac. Bref, l'espèce de courge... Je sais pas où elle est l'autre. Jaune. Il faut aussi un. Il faut aussi un comme ça. Et un. Ça non. Comme ça.
Stack. Okay. Puis il faudra un violet, mais avant le violet, il me faudrait le espèce de citron. Ah, il est là. Stack. Par contre, c'est nul parce que. Ah, mais si, le violet, là. J'ai le violet. Ça, je peux mettre là. Ok, je pense que j'ai planté tous les fruits dont j'aurai besoin pour mes décoctions. Enfin, dont on aura besoin pour nos décoctions. Maintenant, faut essayer de trouver pour la flotte, quoi. Ouais, ok. Parce que dans tous les cas, même si ça déclenche le timer, je pourrais jamais ressortir et que tu dois faire un truc de ton côté. Peut-être qu'il faut que de ton côté, tu réussisses à réaligner peut-être les symboles pour que moi, je puisse remonter en fait. Réaligner les symboles. Je vais descendre sans appuyer, sans enclencher le truc. Réaligner les symboles, tu veux dire avec les engrenages là? Bah peut-être. Alors en fait, je t'explique. Voilà, je t'explique comment ça a l'air. Donc là, je suis au fond du puits en fait. Et imagine, t'es dans le fond du puits donc qui est circulaire, ok? Et t'as une échelle. Donc en fait, t'as des étages, genre des layers de pierre en fait en cercle, ok? Et imagine que toutes ces couches, en fait, elles peuvent pivoter. Donc, en gros, il y a une échelle, il y a un barreau d'échelle par couche. Et si les couches, elles pivotent, bah, les barreaux, ils sont plus en phase, donc je peux plus grimper. Mais aussi, sur chaque couche, tu as des symboles. Donc, étoiles, soleil, les mêmes symboles qu'on avait rencontrés sur un puzzle d'avant. Donc, voilà. Ok, bah moi, j'ai 5. Alors, sur le tableau des engrenages, j'ai 2 pignons rouges. Et j'ai donc 2 engrenages rouges, j'ai 2 qui sont liés et qui peuvent pas vraiment être décellés, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 engrenages qui ont un symbole d'échelle. Ah, donc c'est peut-être l'échelle. Donc c'est peut-être l'échelle dont tu me parles qui est coupée en 5 et qu'il faut synchroniser. Peut-être. Alors moi je viens de voir aussi autre chose quand je regarde tout en haut du puits. Il y a aussi des symboles, les mêmes, qui sont lumineux jaunes et qui sont placés sur une rose des vents. Donc, les points cardinaux. Ouais, bah moi j'ai que le point nord qui m'est indiqué. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire sur mon cadran là, sur mon pupitre. J'ai le schéma, ok, d'accord, et j'ai le point nord qui est... Je sais où est le nord puisqu'il est indiqué. Ok, moi aussi. Et du coup, je suis en train de me... Pardon. Du coup, je suis en train de me dire, si je me mets au fond du puits et que je regarde en haut vers le nord, avec le nord en haut, l'échelle, elle est à l'ouest. Si ça a un intérêt. Eh ben, moi, les symboles des échelles, ils sont plutôt... Donc, il y a le nord. Ensuite, de chaque côté, nord-est et nord-ouest. Nord-nord-est et nord-nord-ouest, il y a 2 symboles d'échelle. Ensuite, ouest, ouest-sud et est-est-sud, il y a un symbole échelle. Et sud, il y a un symbole échelle. Donc, il n'y a pas vraiment les points cardinaux vraiment marqués précisément, mais plutôt autour de ces points cardinaux-là. Ok. Bon, en fait, j'imagine que de toute façon, il faut que tu répares la machine, non? Ouais, il faut que je fasse tout marcher. Mais pour ça, il faut que le truc fonctionne. Alors, attends, j'ai peut-être une idée. Ah, putain, attends. Attends, 2 secondes. C'est un escape room, ouais, en gros. Ok, en fait, je peux placer les pignons avant que toi, tu n'enclenches l'eau. Je peux placer tout et voir et me dire, allez, bah ça devrait marcher normalement. Donc je vais essayer de faire ça. Ok.
Les chaînes est à l'ouest, les carottes sont cuites. Et oui, oui, pour eux, c'est ça, en fait. On est dans des pièces séparées. Il faut qu'on s'entraide pour essayer de sortir et d'avancer, quoi. En gros, ouais, tout à fait. Donc, c'est même pas en quelque sorte. C'est sûr, c'est un escape room, tout à fait. Donc là, on a trouvé que... donc, on a... moi, je peux faire pousser des plantes et lui, il peut s'en servir pour faire des potions, en fait. Une fois qu'on a... pour le but ultime, c'est d'avoir la potion qui va tuer, j'imagine, la grosse plante là, pour récupérer ce qu'il y a dedans. Et je peux lui envoyer des plantes que je fais pousser une fois qu'on aura fait amener de l'eau. C'est là où on bloque pour l'instant. Et en fait, je peux lui amener des graines... pas des graines, je pourrais lui amener les plantes et je peux lui amener des liquides, du liquide orange, vert et violet. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, maintenant que le petit train est revenu, je ne peux pas mettre de graines dans les chariots. Ah, ok. Donc ce sera uniquement les plantes quand je les aurai fait pousser, en espérant que je ne me suis pas planté de plantes. Ouais, tu m'étonnes. Une fois qu'on aura réussi à assembler tout le bordel, j'imagine que ça sera faisable de le refaire. Ok. Par rapport au nord, là, laquelle échelle serait prioritaire? Parce que du coup, moi, j'ai pas assez d'engrenage pour faire marcher toutes les échelles d'un coup. Je ne sais pas comment répondre à ta question. 3, 4, oh, okay. Bah, je vois que tu m'étonnes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12. Moi, j'ai 12 barreaux, en fait. Donc, tu vois, il y a 12... enfin, il y a 3 barreaux qui sont fixes en bas. Et après, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... qui eux peuvent pivoter en fait. Mais s'il y en a un seul qui manque, je peux pas grimper. Donc il faut voilà. Mais après par rapport, ils sont tous à l'ouest. Maintenant, une fois que j'aurai enclenché le bordel, ils vont pivoter et ils seront plus forcément à l'ouest. C'est ce que je veux dire. Ok, bah donc je vais me concentrer plutôt sur l'ouest d'abord. Ça c'est faisable ça. Ok. Je sais pas trop. En fait, voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'on sait pas trop si ce que lui il a capté, ça va fonctionner pour ce que moi j'ai capté, quoi. C'est là où c'est fun, effectivement, mais bon. Ça peut être frustrant aussi. Moi, j'ai envie de te dire par... Ouais, ah ouais, ouais, ça y est, je me rappelle. Les engrenages avec les échelles qui sont à des endroits particuliers. Ouais, ouais, ok. La dernière fois, j'étais dans son... Exactement. J'avais son personnage. Ça y est, ouais, je capte maintenant. Mais la machine, elle va fonctionner une fois que tu les auras reliés, tu crois? Bah, il faut que je prévoie bien mon coup, quoi. Parce que je me rappelle que j'avais essayé, il me semblait avoir réussi à ramener un truc, enfin, relier les jusqu'à une échelle, mais il n'y avait rien qui tournait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que toi, quand tu vas enclencher l'eau... Ça va tourner une fois que j'enclencherai l'eau, d'accord. C'est pour ça que j'essaie de gérer avant que ce soit... Logique. Mais je pense que le jeu doit être fait de telle façon qu'en fait il va falloir réfléchir sur le moment, à mon avis. J'ai peur. Le panier est dans la salade. I repeat, the panier is in the salad over. Comment ça, un panier? Ouais, bah oui. Oh, il n'y a même pas de panier. Qu'est-ce que tu veux dire, Avia? Voilà.
Ça a l'air dangereux, ouais, tu m'étonnes. En même temps, pour l'instant, j'ai rien à faire du coup. Je peux pas poser ça. Bonobs, there is no panier because it is in the salad. Ah, mais oui, you are completely raison. Qu'est-ce que je suis bête, que je suis idiote. Pardon, j'ai fait over, rien du tout, over. Lols. Bon, c'est galère quand même, putain. It is galère. Est-ce que tu veux tester dans le stress? Ouais, on va. Je vais essayer de connecter au moins un parce que j'avais réussi à connecter au 1 et j'ai un peu bidouillé donc maintenant il est connecté. Je vais faire ça maintenant, attends. Et donc il n'y a aucun symbole de planète, étoile, soleil nulle part là où t'es. Non, ouais. Donc, tu vois le nord parce que le pupitre est orienté au nord ou est-ce qu'il y a une rose des vents? Il n'y a pas vraiment une rose des vents, il y a le nord qui est indiqué au nord du pupitre. Donc, parce qu'à mon avis, la façon dont je le vois, vu que moi j'ai des symboles qui vont tourner en fonction des points cardinaux, je pense que ça sera à moi de te dire premier barreau, il faut que ça soit orienté tant comme ça, deuxième barreau comme ça, troisième barreau comme ça. Et ainsi de suite. Ouais. Mais vu que toi t'as pas de symbole, je sais pas. Et puis ouais. Imagine si tu dois faire relier à différentes échelles 9 fois de suite, rapidement. Ouais, bof. Ouais, bof, ouais. C'est même pas possible, je pense pas. J'ai placé les grains pour Yance. Parce qu'on avait, on va pas y arriver. Et là, j'ai un coup. Est-ce que tu peux répéter? Je t'ai entendu 2 sur 5, over. Ok, ouais, je peux actionner 2 d'un coup, je pense, là. Ok, donc tu veux quoi? Je lance le truc? Attends, je vais confirmer un truc et puis dans 2 minutes, attends, je t'en dis. Ça marche, over. Hein. Super, over. En plus, le truc qui est fun, c'est que le tuyau d'arrosage, il est super haut. Donc en fait, le tuyau qui absorbe la flotte. Donc en fait, il faut vraiment que le puits soit complètement inondé. Et moi, je me noie à mi-chemin, quoi. En fait, en y réfléchissant, rien du tout. Over. Super, over. Ok, bah essayez, on va essayer, puis voilà. Ok, et eh ben je démarre. C'est parti. Il y a Avia qui dit mute et trop RP, on capte mal, sort de la mu cave un peu, please. C'est la mu connexion. Ok, je lance. C'est pas triste, mon Tsukimoki, désolé. Alors là, il y a un truc qui rotate en haut. Ah, ça s'est arrêté, ok. Est-ce que tu peux faire rotater quelque chose? Ouais, je vais essayer.
n'importe quoi pour voir ce qui se passe, quoi. À mon avis, ça va être plop, complètement plop, parce que on sait pas trop. Déjà, ça serait un bon truc s'il arrivait à. Mais en fait, je suis obligé de regarder par là. Ouais, c'est ça. Parce que là, en gros, il y a eu 1, 2, 3, 4. Oh putain, 5! Il y a exactement 5 couches qu'il faut ramener. Genre, par exemple, le premier barreau d'échelle qu'il faut qu'il aille à l'ouest, moi je le vois à l'est. Ouais, c'est chaud. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a des pignons rouges qui vont pas dans les deux sens, je pense. Ah. Et pour l'instant, en tout cas, il y a rien qui bouge. Hein. Bien, garde le live, peut-être, ouais. Ah, fait chier. Attends, il y avait un truc, je pensais que c'était faisable, mais en fait, ça l'est pas. Attends. Ah là, j'ai tout le temps devant moi, à moins 2 minutes 30. Le truc qui est débile, c'est que j'ai rien à faire à part peut-être de lui donner. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je lui donne des infos en fait. Mais je vois pas lesquelles. Ah ouais, la réflexion que je me faisais, c'est que je me dis qu'il faut peut-être que je te donne des infos moi, mais. Je sais pas trop lesquels en fait pourraient t'aider. Ah, ça bouge. Stop. Non, c'était bien. Ok, si je te dis stop, je sais pas si tu peux le stopper. Stop over. Yeah, yes, c'est trop bien. Ouais, continue, vas-y. Suivante. Donc là, je t'explique le truc, je suis accroché au dernier barreau de l'échelle, j'attends que le suivant arrive. C'est un petit peu la panique. En fait, tu m'étonnes, je fais au mieux. Ah, je sais bien. Oh là 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 là. Ah, et c'est énorme. J'espère qu'il sait laquelle c'est la suivante en fait. Ah putain, ça bloque bordel. Alors je vous explique, parce que moi je l'avais vu la dernière fois, ce qui se passe. Il a un pupitre avec des engrenages un peu partout. Je suis sous l'eau, je suis over. Et il a des engrenages et il faut qu'il les assemble et qu'il les fasse coulisser pour en fait faire un chemin et faire tourner certains trucs quoi. Qui rebouche planète avec toi accroché. Quoi ? Tu tapes sur ton téléphone Avia parce que j'ai rien compris à ta phrase. Oopsies. Chaud là. Je trouve parce qu'en fait il y a des pignons rouges qui tombent pas dans le sens, je pense. Ils bloquent l'engrenage et ils peuvent pas bouger partout. Ok. Il y a des pignons en fait qui ne peuvent faire que deux cases, des engrenages ouais. Qui ne peuvent faire que deux cases, d'autres qui peuvent en faire six. Il y en a qui bougent ensemble, j'ai vu, et si je me rappelle bien, par paire. Ouais, et j'ai fait des lignes en fait. J'ai fait deux autres lignes. À chaque fois, ces deux autres lignes étaient bloquées par le pignon rouge qui ne peut pas tenir dans le bon sens. D'accord. Et ce pignon rouge, il peut pas bouger très loin, et du coup, j'ai l'impression qu'il bloque cette ligne-là, c'est un peu bizarre. Ok. Donc il y a dû avoir un truc, j'ai pas compris. On est vraiment sur la bonne voie, donc c'est... Ouais. On n'y arrive pas, c'est pas grave, on va y arriver. Le seul truc que je comprends pas, c'est comment tu vas déterminer quelle est la couche, la rondelle, en gros, j'appelle ça une rondelle, que tu vas faire tourner, en fait.
Ah bah, je sais pas. Je pense que à ce niveau-là, c'est aléatoire. Enfin, je dirais... Ah mais ou c'est alors. Ah ouais. La prochaine que je plante, c'est la prochaine qui va bouger pour toi. Ça peut pas. Bien. Je pense pas que. Enfin, parce que le truc là, en fait, c'est que. T'as réussi à faire bouger la toute première, ce qui, ce qui a fait que j'ai pu monter un peu plus haut sur l'échelle et donc passer la tête hors de l'eau. Donc tu vois, du coup, si toi après tu réussis à mettre la deuxième, et je reconnais que je sais pas trop, tu sais pas non plus comment faire, mais si t'arrives à faire bouger une après l'autre, comme ça, et ben moi je monte petit à petit et on gagne du temps en fait, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est bien. Ok. C'est bien, il y a faut pas... que j'arrive à contourner. Ouais, et je me dis, il n'y a pas une logique par rapport. Sachant que la première échelle que tu as réussi à activer, peut-être qu'il y a une logique pour trouver la deuxième en fait, sur ton pupitre. Ben oui, sûrement. Moi, sur mon cadran, ça correspond au sud-ouest. Ok. Ah, ok, voilà. on va aller regarder. Peut-être que. Parce que moi, au sud-ouest, j'ai un symbole. Et peut-être que le symbole du sud-ouest. C'est le symbole du premier. Enfin, qui. On va voir. Parce qu'il n'y a pas d'autres symboles que. Il n'y a pas d'autres symboles, il n'y a que les engrenages, quoi. C'est ça le truc. Et moi, Aviato Elkinou, Elkinou accroche barreau planète. Alors, bougez planète à nouveau pour aller sur autre barreau. Vas-y, redis, ça a coupé. Je disais ce qu'Avia disait, en fait. Ah, ok. Bon, bah, je remets mes graines. Ok, j'essaie de refaire grenage là, du sud-ouest ou de l'ouest là. Ça marche. T'as plein de décalages son, c'est pas moi. C'est pas le stream, je pense que c'est Twitch, non? Alors, je regarde les graines qu'il me faut. On a dit qu'il fallait. On va les faire dans l'ordre. Celle-là. Puis ensuite, il faut Fa. À moins que les pignons rouges soient invités. C'est des pignons qui bloquent tout. Et ça. Peut-être, ouais, je sais pas du tout. Et dans ces cas-là, ça serait plus facile à gérer. Ça veut dire que je les écarte et je fais 100. Peut-être, hein, tu peux tester ça, hein. De toute façon, on va devoir recommencer plusieurs fois, là, je pense. Tac. Ah oui, c'est carré. Tac. Et la violette. Qui est là. Ok, alors un truc à savoir aussi, c'est que moi j'ai mis les plantes pour faire pousser les trucs qu'on peut, par rapport à ma recette à moi de mon côté. Toi, je sais que tu as aussi d'autres recettes pour faire des trucs particuliers de ton côté, donc t'auras peut-être pas forcément ces plantes-là tout de suite, mais sachant que... En fait, j'ai même peut-être pas besoin de les planter maintenant, puisque une fois que l'eau sera remplie, enfin arrivera, elle arrivera quoi, j'imagine. Mais bon, bref, tout ça pour dire, je suis prêt quand tu veux. Ok, bah là, attends. Pas de problème ici, ok. Tu vas tester, ça marche. Je pourrais. Ouais, écouter. Ouais. Le seul truc relou, c'est que ouais, moi j'ai rien à faire en fait. Ah oui, tiens, si je voulais regarder. Si la première. T'avais dit sud-ouest pour le premier truc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je vais regarder si ça correspond à un truc. Ah bah oui, c'est la planète. Oh non. Parce qu'en fait, je viens de réaliser que chaque couche
C'est un symbole, en fait. Il y a plein de symboles autour, mais c'est le même symbole. Et le premier symbole sur la première couche, c'est le symbole planète. Sauf que le symbole planète, il est au nord-ouest. Ouais, je vois. Et au sud-ouest, j'ai l'avant-dernière couche. Donc, je sais pas si ça... Je sais pas. Coucou Tanéor, t'arrives un peu tard. Ouais, mais il nous reste encore une demi-heure. On s'arrête dans une demi-heure, normalement. Tiens, bah, si tu veux, pour Tanéor, vu que j'ai rien d'autre à faire, j'explique ce qu'on essaie de faire. Il y a Mieux qui est en train de bosser sur un... Ok, on peut retester. Ah, okay. Sur un puzzle avec un engrenage. Ok, je vais lancer dans 2 secondes. Ok. C'est lancé. Donc... Pardon. J'expliquerai après, attends, tenez, parce que je vais me concentrer pour essayer de l'aider si je peux. Le barreau, il est où? Le barreau, il est... Ah, là, c'était... Non, ouais. Continue, tu fais bouger le troisième là, mais c'est bien. Je te dis stop. Stop. Non, trop tard. Stop. Nickel. Ok, donc maintenant il faut que j'arrive à faire bouger l'autre. C'était pas le même engrenage que tout à l'heure, on est d'accord? Bah peut-être pas. Tu vois, là, je suis pas sûr. Ok, parce que là, c'était le troisième, en fait. Donc là, si t'arrives à faire bouger le même que tout à l'heure, hein, que t'es au sud-ouest, ça... Ouais! Tu rocks. Stop! Yes, yes. Elle a plus que 2. Donc là, il faut qu'il ramène les... Alors voilà, donc... Ok, attends, je vais éloigner celle-là. Ouais, je te laisse réfléchir pendant ce temps, je t'explique à Tanéor qui vient d'arriver. En gros, lui, il a un engrenage, il a des engrenages de son côté, il doit mettre des engrenages pour faire bouger un certain endroit, en fait. Il a 5 endroits avec qui représentent des échelles et qui en fait vont activer chacune des couches de ce puits, en fait. Et du coup, il doit me les mettre au bon endroit pour que moi je puisse continuer, pour que moi je puisse grimper. La raison pour laquelle on remplit le puits, c'est qu'on a besoin d'eau pour faire pousser des plantes qui vont nous permettre de faire de l'alchimie, enfin bref, des potions, en fait, pour au final réussir à faire un poison pour une plante carnivore qui a un cristal dans son bide. Voilà, et puis donc pouvoir sortir. Voilà, en gros. Et là... Il a 2 barreaux à bouger. J'espère qu'il va bouger celui-là, là. Cette couche-là, là, plutôt que celle d'en haut, mais... Déjà qu'il arrive à... Ah là là. Et si l'eau elle monte, bah je suis mort, en fait. En tout cas, j'ai envie de te dire GG parce que on a un peu de temps là, du coup. Emu a aussi son internet qui déconne un peu, donc ça, des fois quand il parle, ça fait bembembembe.
dans un peu de temps, c'est pas non plus la grosse stuff en fait. Il est en train de faire un taquin de son côté en fait. Je le plains. c'est genre, il faut qu'il détruise des trucs pour les refaire. Ok. Yes. Stop. Ok, plus que deux zins. Ouais, je pense. Alors attends, est-ce qu'il y avait une logique? C'était le barreau. Donc là, je sais pas, mais il est sud. Oh non, c'est un en dessous là qui bouge. C'était pas bon. Je te dirai de le restop quand il faudra le stop. Stop. GG quand même, mais ouais, celui-là j'étais dessus. Ah désolé. T'inquiète. Ça c'était le soleil, pour moi il est au nord-est. Je comprends le prix du roundup maintenant. Si pour le fabriquer il faut faire tout ce bordel. Ouais t'as vu. J'ai pas pris mon masque et mon tuba, non. Malheureusement. On a le temps là. Je sais pas s'il va avoir un autre à bouger en haut, la lune là. Je vois pas derrière moi, du coup c'est très lourd. Hein. Et je te plains franchement, hein, je pourrais pas moi faire du taquin, j'aime pas ça. Ouais c'est galère. J'imagine. Et le problème c'est que je suis en train d'oublier lesquels j'ai fait, lesquels j'ai pas fait. Ah oui, c'est un problème. De toute façon je te le dirai, moi ça bougera si je le vois quoi. Parce que là il y en a la moitié qui sont sous l'eau là. Là j'ai un gros problème avec la pignon rouge. Insulte-les. Vous avez choisi votre rôle ou c'est aléatoire? Empaffé. Oh. Boisson soif. Peine à jouir. Pas mal. Bashi Bouzouk. Ouais, mais je connais avec le capitaine Haddock moi. C'est aléatoire en fait. On a été surpris d'ailleurs quand on a repris la partie que bah, on a inversé les rôles en fait. C'est-à-dire que sur le puzzle d'avant, moi j'étais dans son rôle, il était dans le mien. La dernière fois qu'on avait joué en fait. Et peut-être que la prochaine fois, si on finit pas ce puzzle là, on va inverser encore. Donc j'ai tendance à dire que c'est aléatoire, ouais. À moins qu'on n'ait pas vraiment vu. Puisqu'au début tu sais pas en fait qui est qui quoi. On est des jumeaux en fait, presque. Alors il va falloir se dépêcher là en fait. Mais pas de stress hein. Font chier parce qu'ils sont dans la zone où ça me gêne et j'arrive pas à les en sortir. Ah, je suis sous l'eau. Je crois que ça va être la fin. Et je pense qu'il doit y avoir une façon de l'aider peut-être avec les symboles, mais je vois pas trop comment. J'espère qu'on va pas changer de rôle la prochaine fois parce que moi je vais pas y arriver son truc. Ouais. Je crois que bon il y avait j'ai capté un truc, il y a un des embranchements qui permet d'isoler un engrenage. Ok. Et passer outre. En fait le problème c'est qu'au bout d'un moment
Tu dois aussi faire gaffe de pas faire tourner les autres. Du coup, je peux pas prendre n'importe quelle route avec tout le pignon. Bah en fait, les tout premiers, tu devrais pouvoir les faire bouger puisque je suis plus dessus. Tu vois, en fait, il faudrait les numéroter, je pense. Genre, il faudrait que je te dise, là, tu fais bouger le temps, tu vois. En partant du bas. Comme ça, le 1, 2, 3, tu vas pouvoir les virer au bout d'un moment. Ah ouais, et à force d'erreurs, ouais, d'accord. Je pense que c'est comme ça, ouais. L'ennui des taquins, c'est qu'on peut pas vraiment mémoriser les moves. Non, c'est sûr, mais là, en fait, il devrait pouvoir... Parce qu'en fait, il a des chemins... Et il devrait pouvoir justement mettre un numéro sur chacune des échelles en fait. Bref. Écoute, rebalote, il nous reste 20 minutes. Allez. Dernière fois, je pense. Je vais noter sur un calepin. Ok. Et le truc, c'est que tous les barreaux ne bougent pas en fait. Il faudrait que je te dise ceux qui n'y a pas à bouger par exemple. Et moi, je vais mettre des graines, tu me dis quand t'es prêt. Ok, je vais te dire ça. Maintenant, je m'en rappelle. Et d'abord, je vais faire un petit schéma. Là. Les graines sont plantées. Les graines sont plantées, je répète, les graines sont plantées. Over. Yes. Je crois que j'ai identifié le premier que je vais actionner. Qui pour moi est celui qui est au sud-ouest. Ok, je descends, je te dis ça. Ok, donc ça sera le planète, mais on peut l'appeler le 1. J'ai mon nouveau Kinopad préparé, Kinopad de l'horreur. Il est noir, comme de l'horreur. Faudrait qu'il soit noir et rouge, ça serait mieux encore. Ok, je suis ravi. Deux secondes. Mais cela il bouge pas. Ah, et cela il bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, j'enclenche. Allez, enclenching, over. Ok, c'est le 2 que tu fais bouger là. Stop. Ok, continue. Stop. Nickel. Ok. Ok, donc j'ai fait bouger le 2. Je vais essayer de vous faire bouger le 2 maintenant. Nickel. Stop. Ok, t'as dit un truc, pardon, vas-y, redis. Ça, c'était le 1. Ça, c'était le 1, ouais. Ok, j'ai le 1 et le 2. Je vais essayer de faire bouger un autre.
Donc on va faire 3, 4, 5. On a intérêt à le finir maintenant, hein, parce que la prochaine fois, je fais pas ça, moi. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Si bon. Donc j'appelle ça planète, constellation, soleil, étoile, lune, si j'ai ça d'intérêt. Et c'est marrant parce que la planète est au nord-ouest. Constellation est au... Oh putain. Tu fais bouger le... Attends, tu fais bouger le 4 là. Et stop. C'est bon comme ça? Ouais, ouais, c'est nickel. Donc t'as fait bouger le 4. Ok, il me reste 2, je vois la caisse. Cool. Donc là, tu devrais pouvoir virer le 1 en fait. Ok, si ça se trouve, je vais pouvoir faire ça. Elle est pas stressante du tout la musique. La 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 la. Qui c'est qui se noie? Ça va encore. Faut que je descende parce que si jamais il bouge le 1. Ah là c'est le 5 que tu fais bouger. Je te dirai. Stop. Donc si tu bouges le dernier, c'est bingo. Ok, attends, je vais faire grand. J'aurais préféré qu'il bouge le 3. Et donc celui que t'as pas bougé, tu peux l'appeler 3. T'es prêt? Ouais. Yes! Je te dis. Stop! GG! Je monte! Oui! Mais c'est parfait tout ça, je vais voir mes plantes. Cool. Ah ouais, GG, parce que là... Écoute, en fait, il y a un truc qui m'a débloqué tout, c'est que j'ai trouvé un endroit où ranger un grenage rouge. Et du coup, dès que j'avais cet endroit-là, je pouvais, tu vois, l'utiliser pour faire passer les autres d'un côté ou de l'autre sans qu'ils bloquent le passage. Ok, je vois. Alors il y a un truc chelou par contre, c'est que j'ai réussi à avoir deux plantes, mais les autres, elles sont que des petites pousses. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais gérer. Merci à Vera. Huh. Ok, est-ce que de ton côté, dans les indications que t'as, il faut pas rajouter des trucs pour faire pousser certaines plantes? Y'a pas un truc comme ça? Alors, parmi les ustensiles que j'ai, c'est j'ai une espèce de four dans laquelle je peux placer trois récipients que je peux faire tourner. Il a l'air d'être sous pression. Voilà. Et j'ai une espèce de chaudron dans lequel je peux en mettre deux.
Et après, j'ai la table avec les instructions pour les couleurs. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien pour les plantes sur ces instructions-là. 5 tonneaux qui me donnent une petite jaune là-haut. Et a priori, pour l'instant, c'est tout. Ok. Là, moi, j'ai 6 bacs pour planter les trucs. J'essaie de planter. Il y a plusieurs plantes que j'arrive pas à avoir. Du coup, j'essaie de les planter partout, mais ça fait que des petites pousses de merde. Donc, je me dis qu'il faut peut-être rajouter quelque chose. Je regarde. Je peux peut-être te ramener. Attends, j'ai peut-être une idée. J'ai de la bière, tu sais. Je peux peut-être te ramener de la bière si tu me ramènes le chariot, parce que il y a les ronces. Et il y en a une. Elle a essayé de choper. Elle a chopé un gros tonneau de bière. Tu sais, elle avait envie du tonneau de bière, quoi. Ok. Donc je me dis, c'est peut-être se comporter comme un engrais, peut-être que tu peux t'en envoyer. Vas-y, balance toujours. Je vais t'envoyer le chariot. Est-ce que t'as besoin de plantes, toi? Ah oui, pour faire des mélanges, je pense. Tu veux quoi comme plante? Tu m'avais dit pour avoir du rouge, il faut une graine bizarre rose là, on dirait. Ah oui, d'accord, mais ok. Ouais, non, bah si, je sais lesquelles il faut, ouais. Mais je me demandais si toi, de ton côté, t'avais un besoin de plantes particulières pour faire des trucs de ton côté que moi j'ai pas, quoi. Tu vois. Bah, par exemple, pour faire la potion rouge, j'ai l'impression qu'il me faut une espèce de plante comme un champignon à chapeau jaune là, avec des protubérances rouges sur le pied, une bague jaune et ça fait rouge. Ouais, j'ai rien compris en fait, faut que tu arrêtes ça, c'est trop. La connexion est pas top là. Ok, non, bah je sais pas. Il y a, pour faire du rouge, il faut la graine jaune plus une. Ouais, ça j'ai le même, ok, d'accord. Ok, bon, moi je te renvoie le chariot avec des liquides dedans, peut-être que ça t'aidera. Ok. Des liquides, j'en ai pas déjà. Bon, je sais pas. Ah non, on est mort, du coup ça a réinitialisé. De l'engrais, c'est ça qu'il faudrait peut-être, de l'engrais. Ok, je vais te ramener les 3 bagues. Il faut que j'en. Le temps que je le fasse. Je vais t'envoyer les 3 bières parce que je crois que t'as pas. Là, tu m'as enfilé des sauts et moi je viens de mettre des mugs. Une mug. Ok. Liquide, ils peuvent pas t'aider à les faire pousser, peut-être. Mais lui, oui, justement, il veut m'en envoyer un liquide. On va essayer ça. Hein. Et. Ok, la dernière. On va essayer, ouais. Mais est-ce que c'est marqué là? Après, je pensais justement que de son côté, ça serait indiqué quel liquide. Et toi, de ton côté, il y a marqué que certains liquides de couleurs particulières peuvent faire pousser des trucs. J'ai pas de mention de pousser des trucs. J'ai, je vais te dire, j'ai 4 lignes. Sachet plante, sachet graine rose bizarre plus mug rouge égale plante. Graines bizarres roses. Sachet graines bizarres bleues avec des ailes bleu clair. Plus jaune, plus mug jaune, égale graines. Ah bah oui, c'est ça donc j'ai besoin, c'est ces informations-là, ok. Ok, cool. Le truc avec les ailes là. C'est quelle couleur? Bleu clair les ailes, bleu les graines. Non mais le liquide. Jaune, je pense que c'est une piche. Ah ok, donc c'est ce que tu vas m'envoyer. Je te l'ai envoyé déjà. Cool.
Alors faut que je refasse parce que je sais pas où elle est justement. Tac. On va la mettre là. Yes. Donc ça, ça multiplie les possibilités par rapport à l'éventail de nos camailleux d'options. Tout à fait. Alors, attends. Deux secondes, je regarde ce que j'ai. Alors, il faut. J'ai besoin de faire pousser un fruit orange. On dirait qu'il y a trois espèces d'aubergines côte à côte, enfin, agglutinées, orange, avec une queue verte. Attends, je vais te dire. Voir si c'est, si c'est le truc jaune ou si c'est d'autres couleurs qu'il faut que je mette dessus. C'est que les... c'est tout le temps le liquide jaune en fait. Chimon. Alors, je vais te dire. Donc, en fait, pour moi, l'instruction que j'ai par rapport à ça, c'est il faut une orange. Orange ou rouge. Non, orange. Je sais pas si c'est orange ou rouge. Je crois que c'est rouge. Donc, sachet grain bizarre qui ressemble à des aubergines roses. Hein, plus rouge égale aubergine rose. Ok, mais moi j'ai pas de liquide rouge et c'est pour faire une potion rouge justement, donc ça doit être orange alors. Alors c'est orange, ouais. Tiens, je viens de faire une tasse verte. En fait, moi il y a le bouquin d'inscription, il me dit une bière plus un liquide vert que tu m'as envoyé, c'est une chope de verre. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais te l'envoyer quand même parce qu'à mon avis ça va te plaire. Ok, et en fait je peux pas mettre le liquide orange. J'ai pu créer avec le chaudron avec les deux petites tentes. Cool. Donc quand tu peux, tu m'envoies le chariot. Ok, je t'envoie le chariot avec un truc orange que j'ai. Ouais, donc je ne peux pas mettre le liquide orange sur le... Donc peut-être que c'est une piche, là. Non. Non, c'est pas ça. Tu veux que je te remets une piche? Ah vas-y, tu m'en renvoies, ouais. Je te renvoie une piche. Je vais essayer l'autre liquide. C'est bizarre. Ça marchait pour le violet. C'est bizarre. Je t'ai renvoyé une piche plus la mug verte que je dont je te parlais. Ok. Et moi c'est bizarre parce que je peux ajouter du liquide violet, mais pas le orange ni le vert. Effectivement, ouais. C'est chelouche. Je crois que les trois socles là c'est pour les graines, j'ai l'impression. Ouais, alors attends. Ouais, une fois que j'aurai fait cette plante orange, hein, je pourrais t'envoyer deux plantes et tu vas pouvoir faire une popo rouge. Ouais, ok. Et puis après, bon, on trouvera un bon moment pour stop. Ouais, ce qui est con parce que si on stoppe là, ça va reprendre au début de quand on a, je pense, quand on a fini le puits, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, on a pas fait grand chose depuis. Hein. Non, c'est sûr, mais je pense qu'on peut terminer ça rapidement en fait, si on arrive à capter l'engrais. Et j'ai toujours pas le chariot, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse du coup? Je sais pas, tu m'avais pas dit que t'aimais enverrer un truc par le chariot?
Ah, il était pas parti, d'accord. Cool. Ouais, c'est marrant, c'est dans des mugs. Bah, je peux essayer ça. Mais ça marche pas. Le verre marche pas. Est-ce que t'as pas moyen de mettre, de faire des mugs, une mug rouge? Si tu me dis que c'est du rouge qu'il faut mettre, tu peux pas faire une piche rouge? Faire la piche rouge, il faut que je fasse avec une graine jaune, pétard, qui a un chapeau, on dirait un champignon, qui a un gros corps. Ah, d'accord, bah je te l'envoie. C'est parti. Bonne nuit, Danéor. Ok, voilà. Ok, bah je vais essayer alors. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir effectivement mettre... faire grandir cette plante là et t'envoyer deux plantes de plus pour que tu puisses faire la popo rouge. Ok, j'ai la rouge, je te la mets. Ok, je t'envoie ça. Nickel, ok, moi je vais t'envoyer deux plantes. Avec ces deux plantes là, tu peux faire une popo bleu clair. Attrape. Yes, ça a marché. Et renvoie-moi le chariot, j'ai deux autres plantes de plus pour que tu puisses faire la popo rouge. Enfin, une violette. Ok, je t'envoie le chariot et la popo bleu clair. Donc la popo, je me demande s'il faut pas que tu la gardes pour les assembler après. Je la prends au cas où. Alors, je te le renvoie. Donc t'as une plante jaune et une plante orange. Et avec ces deux-là, tu les assembles et ça te fait une popo rouge. Et si tu peux me dire quelle couleur il faut pour faire un fruit violet? Un fruit violet, il faut une couleur violette. Ah cool, merci, bah j'ai, je pense. Ok, je t'envoie. Nice. Couleur violette, j'ai moi. Non mais c'est bon, moi aussi. Deux secondes, on avance bien là, c'est bien, on va finir ça je pense avant d'arrêter. Violet et popo blanche. Popo blanche. Ah ouais, non, il faut du orange et un fruit jaune. Ok. Et un fruit jaune comment? Fruit jaune comme ça. Alors, pour faire pousser un fruit jaune à tête verte, on dirait une espèce de banane mais un peu droite. Il faut la meule verte que je t'ai donnée tout à l'heure. Tu peux m'en renvoyer une? Il me faut un seau vert. Ok, je t'envoie ça. J'en ai déjà. Ok.
Ok, je t'envoie ça. Cool, cool. Et des bisous Tanner, je rappelle qu'il n'y a pas de stream samedi. Mais dimanche. Car il faut une pige verte. Ça va. Nice. Ok, alors il faut. Ça va être ça. Ok, je t'envoie donc un fruit jaune et un seau d'orange et ça va te faire une popo blanche. Et ensuite avec ces trois là. Ok, j'ai. Cool, garde-la, mais renvoie-moi le wagon. Ok. Parce que je vais t'envoyer un fruit violet qu'il faudra que t'assembles à la popo blanche et ça va te filer, ça va te faire un. Je sais plus quoi, attends. Ok. Je le voyais pas. Alors j'ai envoyé le fruit violet et normalement, fruit violet, popo blanche, ça va te faire une popo verte. Et garde-la, en fait. Après, je vais te renvoyer les deux autres popos. Parce que popo verte, rouge et bleu, ça fait le poison qu'il faudra me donner. Ah, et d'accord. Et c'est ça, en fait, que je vais mettre dans l'endroit où il y a les trois emplacements. Ok. Ah, yes. C'est parti. Ok, je vais pouvoir placer ça. Et puis après ça, normalement, on est bon, je pense. Ok, donc les trois sont dedans, je teste. Yes. Ok, je pense que je vais pouvoir t'envoyer ça. Ça a dû faire une popo noire. Hein. C'est parti. Yes. Eh ben, je vais la filer à la plante. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Oh, j'arrive pas à me rapprocher suffisamment, il doit y avoir un autre moyen. Fuck. Putain, il est super proche pourtant ce con. Je vais voir s'il y a pas une porte qui s'est ouverte ou un truc comme ça. Pas trop, à moins qu'elle la plante, elle se serve du puits. Ah, pas con. Ok, bah non. Faut pas mettre dans l'eau du puits.
Et sur les indications que j'ai, c'est juste faire la popo noire et à côté, il y a la plante, quoi, avec un texte, mais je peux pas lire le texte. Je vais aller voir dans la première pièce. Ouais, peut-être que ça serait à toi de la mettre quelque part. Ouais, c'est ce que je regarde, mais ça m'étonnerait. Ah merde. Ah putain, je me sens con là. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Ok. Ok, renvoie-moi. Tu te rappelles le tonneau qui a pris la ronce? Ouais. Je peux monter sur des caisses, j'ai l'impression que je peux y aller. Ah. Je vais te dire. J'ai renvoyé la popo. Ouais, je l'ai. On va rester devant, vous êtes crevés. Ok, non, c'est pas ça. Je vais voir si je peux pas le mélanger à la bière, le mettre dans la bière ou un truc comme ça. Je vais essayer un truc. Fais gaffe, parce que si tu foires la popo, faut tout refaire. Hein. Je pense que le jeu est fait pour que... Enfin, oui, ça doit être bon, je pense. De toute façon, je peux rien faire avec. Je vais te le faire. Tu peux pas genre l'ouvrir, l'entailler, quelque chose, la ronce? Non. Peut-être lui filer. Non. Hein. Je comprends pas pourquoi il veut pas lui lancer, genre dans la gueule, quoi. Je sais pas. Ah, attends, j'ai une idée. Peut-être le mettre là-dedans? Ça sort d'où ça? Non, c'est autre chose encore. Dans un arrosoir. Peut-être. C'est agaçant. Là, non. Et là, non. Ok. Ça, on dirait qu'on peut pousser. Peut-être sauter dessus, hein. Ouais, je vois pas. Hein. Non. Et t'as pas d'autre endroit de ronce, je sais pas.
Attends, je suis en train de regarder. Moi, je me dis qu'il faut peut-être un pulvérisateur, une connerie comme ça. T'aurais pas ça de ton côté, par hasard? Ah, mais si, putain, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok, renvoie. Ok. Au tout début, je te dis, j'ai un spray, mais il est vide. Ah oui, putain, j'avais un vague souvenir de ce truc-là. Et en fait, je pouvais pas le prendre parce qu'il est vide. Donc c'est bon, j'arrive. Yeah! Ouais, voilà, c'est bon. Ah. Bon. Bien joué. Toi, bien joué, t'es prêt? Yes. Elle a die et elle a ouvert son bidon et je prends un truc lumineux. Et la porte s'est ouverte au bleu. Merci Avia. J'ai une porte qui s'est mordorée moi. Pareil. Donc je passe la porte et puis on va s'arrêter là. Ouais, je pense que c'est ça, hein. En passant la porte, c'est bon. Hein. Normalement, il faut qu'il y ait un symbole sauvegarde, hein, mais... Je suis revenu dans la pièce engrenage planétarium. Là. Moi, je suis dans une pièce qui est tout en bordel avec une cheminée. Je vais lire le journal. Un peu partout, cristaux violets. Les voix sont réapparues et la lame est en train de se reformer. J'ai réussi à récupérer le deuxième morceau de cette pierre d'âme. Elle m'a dit qu'elle serait dans les quartiers du maître alchimiste. L'explorateur perdu a l'air de savoir exactement comment nous sortir d'ici. Selon lui, nous devons trouver les morceaux de ce qu'il appelle une pierre d'âme. Donc c'est ce qu'on a trouvé en fait. Donc on doit trouver les autres morceaux. On doit trouver les autres morceaux du coup. Il y a des cristaux, moi, là où je suis, des pierres. C'est peut-être des pierres précieuses ou des pierres d'âme, comme tu dis. C'est jaune ou pas spécialement? Non, non, c'est violet. Et moi, la porte s'est refermée derrière moi, donc là, je suis dans une salle qui est, on va dire, sauvegardée, quoi. D'accord, je crois que je sais où c'est. Je vais monter, et puis ça devrait faire pareil. Attends. Voilà. Hey, over here. Ah, we are nearing the end, my friend. I'm certain the final piece and the way to create the Soul Stone itself are hidden somewhere in this very chamber. Now hurry, find it, go. We are so close, so close. Always so rude someone would touch his possessions. Cool. Bon bah là je pense que c'est bon. Notre explorateur perdu est apparu à nouveau. Il dit que le dernier morceau ainsi que la façon de créer la pierre d'âme se cache quelque part dans cette pièce. Ouais, j'ai une vision aussi. Ok, cool, bah on stoppe là. Yes. Eh bien, merci beaucoup, Mu. Mais merci à toi, merci à la vie, merci au Kino. Et puis, bah, vendredi prochain. Oh, mon partenaire m'a laissé mourir. Bon, bah, à vendredi prochain, il est parti. C'est vrai que c'est chiant qu'on puisse pas se causer après, c'est un peu con. Mais bon, bref. Bah, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Telkino qui est accompagné de Mu, qui vient de partir et de me tuer comme un sagouin. Pas un pâle sans soif. Non, ça n'existe pas. Pour l'épisode numéro 3 de We Were Here Together, merci beaucoup et à la prochaine!